Ça déménage, saison 1, épisode 9. Le podcast qui aide les seniors à changer de domicile. Écrit et réalisé par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez. Ce podcast est financé par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de l'Essonne, de Paris et du Val-d'Oise. Pierre a vécu le déménagement de ses beaux-parents et s'était promis d'anticiper son propre déménagement à la retraite. Il a donc fait le choix à 74 ans de déménager avec sa femme vers un logement plus petit en centre-ville. Hasard de la vie, il est revenu dans l'immeuble dans lequel ils avaient vécu dans leur jeunesse. Mais quelles ont été les complexités rencontrées lors de ce déménagement ? De la relation avec les banquiers et assureurs au déménagement en lui-même, Pierre nous raconte son parcours et ses conseils pour mieux vivre ce moment. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez me donner votre prénom, votre âge et dans quel type d'habitat vous habitez aujourd'hui ? Alors, je m'appelle Pierre, j'ai 74 ans et j'ai toujours vécu en appartement. Pourquoi est-ce que Pierre, vous avez choisi de déménager, de changer de logement ? Alors, nous avons déménagé parce que notre logement, d'une part, était un peu loin du centre-ville. Et quand on vieillit, bien les mètres se comptent quand même. Et puis, ça commençait à être un peu grand. Nous avions 115 mètres carrés. C'était vraiment très grand pour nous deux. Nous avons donc décidé de prendre à la fois plus près du centre-ville et plus petit. Est-ce que cela faisait longtemps que vous habitiez dans ce logement ? Oui, nous y étions depuis 16 ans. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce nouveau type de logement et dans quel type de logement est-ce que vous avez choisi de déménager ? Alors, nous souhaitions avoir exactement le même type d'appartement, c'est-à-dire un 4 pièces, donc une salle à manger, une chambre, un bureau pour moi-même, un bureau pour mon épouse. Nous avons toujours vécu dans ce type d'appartement, donc on souhaitait continuer encore comme cela. Et nous avons donc choisi cet immeuble qui est en plein centre de la ville et que nous connaissions, puisque nous avions déjà habité ici 16 ans, il y a bien longtemps. Est-ce qu'il y avait des choses en particulier qui vous semblaient intéressantes, notamment avec l'avancée en âge, des aménagements ? Bon, les aménagements, non, c'est surtout la situation de l'immeuble qui était intéressante, parce qu'elle était vraiment à peu près deux fois plus près du centre-ville qu'avant, très près de la poste, de la mairie, des écoles, encore que ce n'est plus tellement notre souci, mais des commerces, surtout, des commerces, de la pharmacie, du Super U, etc. Donc voilà, c'est ça les raisons essentielles de notre déménagement. Et puis donc le fait que cet immeuble est très bien situé, dans un tout petit passage, en plein centre-ville, mais dans un îlot de verdure très calme. Donc tous les critères étaient remplis. Vous pouvez finalement tout faire à pied, là de Ah oui, ah, tout à fait. Il y a un autobus à la sortie du passage, et puis on va à pied à la gare, nous sommes encore en pleine forme. Donc il y a 800 mètres d'ici la gare, il n'y a pas de problème. Oui, donc il y a vraiment tous les avantages pour vous garder votre autonomie et votre indépendance le plus longtemps possible. Tout à fait. Très bien. J'ai vu en arrivant qu'il y avait aussi un ascenseur, c'était quelque chose qui était important pour vous ? Pas spécialement, pour mon épouse, oui, pas pour moi. Deux étages, je l'ai fait encore sans problème. Mais pour mon épouse, oui. Et puis bon, puis il faut penser qu'un jour, on vieillira quand même. Même si on vieillit moins vite que certains, on vieillira quand même. Donc l'ascenseur, oui, bien sûr, c'est important. Et la place de parking aussi. Comment est-ce que ça s'est passé concrètement, le déménagement ? Parce que c'est quand même le passage d'un logement dans lequel vous étiez depuis 16 ans vers un logement... alors même si vous connaissiez l'immeuble déjà, c'est quand même un gros changement. Comment est-ce que vous avez préparé, organisé ce déménagement ? Alors c'est très dur, il faut vraiment le dire, à notre âge c'est quelque chose qui est dur. Nous avons donc pris contact avec plusieurs entreprises de déménagement, choisi celle dont le devis nous paraissait l'optimum, et nous avons pensé pouvoir faire l'emballage des meubles, des livres, des tableaux, tout ça nous-mêmes, en confiant simplement des ménageurs le soin d'emballer ce qui était fragile. Et nous avons fait à peu près 150 cartons, ce qui est vraiment difficile, dur. On en a eu pour un mois à peu près, pas à plein temps, mais pas loin. Et c'est quelque chose qui est physiquement éprouvant, qui est psychologiquement éprouvant, parce qu'évidemment, on se pose des questions en se demandant qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va pas garder. Comme on est dans le plus petit, il y avait forcément des choses qu'on ne pouvait pas garder. Or, c'est des choses auxquelles on est parfois très attaché. Voilà, un petit peu les conditions générales. Sinon, l'entreprise était très bien, les gens très gentils. Mais il faut voir une chose, c'est qu'il y a le déménagement, et puis il y a l'emménagement. Bien sûr. Alors, l'emménagement est aussi dur que le déménagement, même si on a son temps, parce que le déménagement, on est pris par le délai également. Il faut être prêt le jour où les déménageurs arrivent. L'emménagement, on a son temps, mais c'est dur aussi. Quand il y a 150 cartons à vider...
Le soir où les déménageurs sont partis, on a vu des déménagements dans certaines pièces jusqu'au plafond, ou presque. C'est un peu stressant. Mais bon, on s'y attaque, un carton après l'autre, et puis voilà, puis petit à petit, ça arrive. Hein. Voilà. Oui. Là, ça fait 3 mois que vous êtes dans votre appartement. Je vois que vous êtes quand même bien installé. Est-ce que vous avez commencé à prendre vos marques Oui, hein, d'autant plus, comme je le disais, que c'est un immeuble qu'on connaissait. Donc oui, on a pris nos marques. Il est très commode, hein, il est en enfilade, hein, 4 pièces les unes derrière les autres. Pas de souci particulier. Oui, on a pris nos marques, hein, sans souci. Et au niveau administratif, parce que vous m'aviez parlé quand même de complexité administrative, j'aimerais bien que vous m'en parliez. Alors, ça, c'est vraiment le gros point qui nous a fait stresser énormément. Essentiellement, il faut savoir une chose. Pour faire un petit peu de droit financier. Hein. Il existe quelque chose qui s'appelle le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel les banques peuvent proposer un prêt aux clients. Le taux d'usure comprenant globalement tout ce qui est non seulement le taux du prêt lui-même, mais les frais de dossier, les frais d'assurance, etc. Or, comme nous étions âgés, nous n'avons pas trouvé d'assurance qui puisse nous assurer notre prêt à un taux suffisant pour ne pas enjamber le taux de l'usure. Donc, notre banquier a essayé plusieurs compagnies d'assurance, et à chaque fois, nous avons eu des refus. Moi, j'ai carrément été refusé d'assurance, j'ai jamais compris pourquoi. Ma femme était acceptée, mais à un taux rédhibitoire. Tant et si bien que nous nous sommes trouvés à 15 jours, 3 semaines du déménagement, complètement la tête sous l'eau, parce que nous avions bien le prêt on pouvait l'avoir, mais il ne pouvait pas être assuré. Or, la banque ne veut pas prêter sans assurance. Alors que j'insiste sur ce point, ce n'est pas légalement obligatoire. L'assurance n'est pas légalement obligatoire, mais la banque m'a dit « oui, je sais, mais moi, je ne vous fais pas de prêt sans assurance quand même ». Ce qui peut se comprendre de leur point de vue. Mais donc, nous nous sommes trouvés vraiment démunis, à tel point qu'on se demandait si on n'allait pas renoncer à notre opération. Et c'est notre agent immobilier, qui était un homme imaginatif et travailleur, qui a trouvé la solution. Il nous a dit, puisque vous vendez et que vous achetez, on va tout faire le même jour. Avec les transferts de fonds électroniques, il n'y a pas de souci, vous vendez. Le notaire qui vous fait l'acte de signature de vente de votre appartement transfère les fonds immédiatement au notaire qui vous fera l'achat. Et comme ça, le tour est joué. Et comme on vendait plus cher qu'on achetait, effectivement, si ça avait été l'inverse, ça aurait été plus gênant. Mais comme on vendait plus cher qu'on achetait, c'est comme ça qu'on a pu s'en sortir. Alors, je vous résume la chose rapidement, mais ça nous a vraiment stressés, parce qu'il a fallu essayer plusieurs compagnies d'assurance, faire des examens médicaux avant de finir. On m'a demandé si j'avais pas le virus du sida. J'ajoute au passage que personne ne s'est préoccupé de savoir si on était vacciné contre le Covid, ce qui est quand même très curieux en ce moment, parce qu'on a plus de chances de mourir du Covid que du sida, me semble-t-il, en ce moment, surtout à notre âge. Mais bref, c'est comme ça. Enfin, je vous passe les détails, mais ça a vraiment été extrêmement stressant. Et c'est là-dessus que je voulais attirer l'attention, c'est la nécessité pour des personnes, je dirais 70 ans et plus, à peu près, hein, de s'y prendre très longtemps à l'avance pour pouvoir trouver un plan B si l'assurance ne marche pas. Il y a d'autres systèmes, il y a celui que j'ai trouvé, enfin que mon agent immobilier a trouvé, il y a des établissements, je crois, qui prêtent sans assurance, mais il faut les chercher, il faut que le dossier soit accepté, etc. Donc c'est là-dessus que je voulais vraiment attirer l'attention, la nécessité de s'y prendre longtemps à l'avance, et de trouver un plan B, et d'attaquer son banquier tout de suite, en lui parlant du taux de l'usure, en lui demandant ce qu'il en pense, qu'est-ce que ce sera. Parce que le mien ne m'avait pas prévenu, et ça m'est tombé sur la tête, hein, et à mon épouse, comme un pavé. Voilà, c'était ça, les problèmes administratifs, surtout ça, qui nous ont vraiment gênés. Et j'insiste là-dessus, c'est... Bon, j'ai lu des articles depuis, j'ai vu quelques émissions. Cette histoire du taux de l'usure, c'est un phénomène général, parce que les taux ont énormément baissé. Donc le taux de l'usure est aux alentours de 3%, et on est vite par-dessus. Hein. Donc il faut vraiment faire très attention à ce problème. Oui, non, c'est vraiment un élément dont vous m'aviez parlé, et auquel... Finalement, on est confronté aujourd'hui, parce qu'on vit de plus en plus longtemps, mais que les banques, finalement, ne sont pas forcément adaptées à cet élément-là. Et... Ni les banques, ni les compagnies d'assurance. Parce que moi, j'ai quand même fait objecter à mon banquier, quand j'ai vu les taux ahurissants qu'on nous sortait, je lui ai dit, mais ils le savent très bien qu'ils vont au-delà du taux de l'usure et qu'ils vont perdre un client. Il m'a répondu textuellement, ils s'en foutent. Eux, voilà, ils ont des milliers de dossiers, ils les traitent par ordinateur, et puis voilà, puis débrouillez-vous avec. Voilà. Donc j'insiste vraiment sur ce point, c'est vraiment fondamental, aussi bien pour des gens de mon âge que pour des gens plus jeunes, parce que je pense que ce problème de taux de l'usure, vu qu'il est très bas, ça doit gêner beaucoup de gens, mais particulièrement pour des gens de notre âge, pour qui les compagnies d'assurance sont sourcilleuses. Oui, bien sûr.
Oui, et puis ces aspects, effectivement, d'aller faire des examens médicaux, c'est quand même des choses qui prennent du temps. Il faut s'y préparer à l'avance. Et vous, la vente et l'achat de l'appartement, c'était quelque chose que vous aviez préparé depuis plusieurs mois? Comment vous avez trouvé cet appartement? Alors, l'appartement, je l'ai trouvé sur Internet, hein, tout bêtement. Et puis quand j'ai vu 5 passages du clos hein, sur l'annonce immobilière, ça fait tilt, vu que c'est un immeuble où nous avions habité 16 ans. Et bon, alors on a pris contact avec l'agence qui était dirigée par un monsieur vraiment très bien, qui nous a fait visiter l'appartement. Voilà, ça s'est enchaîné comme ça. On a négocié. Alors on s'y est pris longtemps à l'avance, et pour une raison très simple, c'est que la personne qui habitait ici, la dame qui habitait ici, nous avait demandé de pratiquer ce qu'on appelle une vente longue. C'est-à-dire, comme elle avait un petit garçon qui était à l'école, elle ne voulait pas, et ça se comprend, que le gamin cesse ses cours pour aller dans une autre école en cours d'année. Ça se comprend très bien. Donc, on s'y est pris en janvier, février, je crois, 2021, pour une vente fin juillet. Donc, vous voyez qu'on était largement dans les temps, mais ça a traîné avec cette histoire d'assurance. Et il y a vraiment eu un moment où on se trouvait pris dans la nasse. Heureusement que l'agent immobilier a eu cette bonne idée. En fait, on était deux. J'ai eu l'idée de me dire, je vends plus cher que j'achète, donc il y a quelque chose à trouver. Mais la combine finale, c'est M. Coutelot, l'agent immobilier, qui l'a trouvé. Hein, il faut vendre et acheter le même jour. Alors, c'est pas toujours facile. Hein, c'est pas toujours très facile, parce qu'il y a des problèmes de déménagement, précisément, d'emménagement, de travaux. Hein, donc, c'est pas facile. Mais enfin, c'est un truc que je donne, hein, quand on peut le faire. Bien sûr. Et puis, avec le numérique et les virements automatiques, aucun comme ça, problème, hein. Ça permet de virer les fonds, ce qui n'était pas possible, peut-être, il y a 15, 20 ans. Non, là ça s'est fait vraiment. On appuie sur un bouton et puis c'est fait. Et en plus, les notaires ont tous leurs comptes à la Caisse des dépôts. Donc, c'est des transferts entre comptes à la Caisse des dépôts. Ça ne fait que faciliter d'accélérer le mouvement. Très bien. Oui, donc vraiment, en tout cas, on est quand même sur des ventes 7-8 mois à l'avance pour pouvoir se préparer. Ah oui. Quand on est sur un achat-revente, mais aussi pour préparer vos 150 cartons, j'imagine que c'est quand même pas mal d'avoir un peu de temps pour tout s'y préparer. Fait, tout à fait, tout à fait. On a... Oui, c'est bien été un mois, hein, un mois de carton. En faisant pas ça à 8h du matin, 10h du soir, mais enfin, en s'y tenant quand même pas mal. Et puis, on a toujours plus de choses qu'on ne croit. Hein. On croit qu'on n'a pas grand-chose et bien rien dans la cave, c'est épouvantable. Ah, les caves. Et en termes de tri, vous avez réussi à vous débarrasser de pas mal de choses? Comment oui. Vous allez faire? Oui, ma femme comme moi, nous aimons bien nos affaires et nous ne voulons pas nous en débarrasser. Mais on a été raisonnable. On s'est dit, on prend plus petit, hein, de 15 mètres carrés, plus petit à peu près. Donc forcément, il y a des choses dont il faut qu'on se débarrasse. Alors, on a la mort dans l'âme, fait le tri entre dans les vêtements, dans les livres, dans les meubles même. Il y a un énorme meuble qu'on ne pouvait pas emmener, dans les tableaux, etc. Et même ici, maintenant, il y a des choses qu'on a emmenées qu'on n'a pas la place de mettre. Donc, on continue, notamment par des sites internet de dons, de ventes, à écluser tout ce dont nous n'avons plus besoin. Oui, ça peut se faire effectivement sur le long terme, oui, oui. Un petit peu avant et puis après. Et le jour J du déménagement, ça a pris combien de temps? Est-ce que c'était sur une seule journée? Non, sur deux jours. Deux jours. Deux jours. Et ça s'est bien passé, là. Les gens étaient gentils, compréhensifs, et puis des types un peu rigolards, enfin qui nous déstressaient, quoi, qui étaient gentils comme tout. Non, ça s'est bien passé aussi bien pour le déménagement que pour l'aménagement. Ça, il n'y a rien à dire, la maison de déménagement était très sérieuse. Et deux jours, vous avez dû dormir ailleurs nuit? Oui, alors on nous a prêté un appartement. Oui, il y avait quelqu'un qui était en vacances, qui nous a prêté un appartement. Et puis après, pour souffler un petit peu, nous sommes partis dans notre résidence secondaire. Et c'est quand on est revenu seulement, au bout de 15 jours, qu'on a commencé vraiment à trier, à ranger, etc. Voilà. C'est une très bonne idée, ça, de prendre un petit peu de temps pour soi, oui. Après le déménagement. Parce que c'est quand même, effectivement, un moment stressant, fatigant. Donc. Ah, c'est fatigant. C'est fatigant, je veux dire, aussi bien physiquement. Parce que bon, les caisses de livres, il faut quand même les manier. Hein, les gros bouquins que vous voyez là, hein, les gaffiots, les baillis, bon. Et puis, c'est psychologiquement fatigant aussi. De se dire, bon, est-ce que j'ai rien oublié? Est-ce qu'ils vont bien venir à l'heure? Est-ce que je ne vais pas casser quelque chose? Est-ce qu'ils ne vont pas me casser quelque chose? Bon, parce qu'il y a une assurance, mais... Quand on casse quelque chose auquel vous tenez, même si c'est assuré, l'argent ne remplace pas la valeur sentimentale. Bien sûr. Mais vraiment, je n'ai pas eu à me plaindre. Ça s'est très bien passé. Bon, déjà, c'est une très bonne chose, oui, ça. Oui, oui, oui. D'où le choix du prestataire qui était quand même très clé et important. C'est l'agent immobilier, toujours lui, hein, qui nous a vraiment rendu beaucoup de services, qui nous avait recommandé. On avait pris d'autres devis, mais celui-là était vraiment très bien. Hein. Ni trop cher, ni trop peu cher, parce qu'il faut se méfier aussi. Et non, vraiment très très bien.
Oui, donc cet agent immobilier, en tout cas, était vraiment une personne ressource. Ah oui, alors c'est un homme extrêmement, comment dire, atypique. Déjà, en général, dans les agences immobilières, vous voyez des messieurs en costume cravate qui ont un peu avalé leur parapluie. Lui arrivait en jean, en tennis et en parka. Mais c'est un ancien joueur de tennis professionnel, hein, de haut niveau, qui a été classé 8e joueur français, donc il avait ses habitudes. Et il travaillait, lui, à l'inverse des agents immobiliers qui... parfois attendent un peu que tout leur arrive tout cuit dans le bec. Lui travaillait, il est vraiment très 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 bien ce monsieur, il est très très débrouillard, très actif, ouais. Et puis comment dire, très soucieux de ses clients. Hein, oui. Très... oui, d'apporter d'autres services, pas que la vente et l'achat. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Hein. Tout ce qui est effectivement l'aspect déménageur, prestataire, c'est important. C'est lui qui nous a envoyé, hein, le déménageur. Ouais. Aujourd'hui, comment est-ce que vous sentez, là vous avez 3 mois de recul dans votre nouveau logement, comment est-ce que vous sentez ? Alors moi je me sens parfaitement bien, hein. J'ai l'impression d'avoir toujours habité ici, le fait qu'on y habitait 16 ans hein, dans un appartement qui était juste au-dessus, ça nous déstresse, ça nous fait retrouver nos habitudes, ça nous rappelle nos souvenirs avec les enfants, et moi je me sens comme un poisson dans l'eau, j'ai l'impression d'avoir toujours habité ici. Mon épouse c'est peut-être moins vrai, hein. Parce que, alors là, c'est peut-être aussi quelque chose qui est caractéristique des personnes qui prennent de l'âge. Elle n'a pas pu aménager ça comme elle le voulait. On l'a pris dans son jus, l'appartement, presque. Pas tout à fait, mais presque. Alors que le précédent, elle avait tout fait aménager, tout fait repeindre, tout fait sa cuisine, tout fait... Là, donc, hier encore, elle me disait « Je me sens chez moi, mais pas tout à fait, c'est pas vraiment mon appartement. » Alors que moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir habité là tout le temps. Puis je suis tellement heureux d'être venu dans cet immeuble où on a eu les enfants, où on s'entendait bien. On était une petite famille entre appartements, il y a une quinzaine d'appartements, donc c'est pas... Donc moi, je suis comme un poisson dans l'eau. Hein. Franchement, c'est vraiment parfait. Pour moi, c'est parfait. Oui, c'est un retour aux sources, oui. Et qui est bénéfique, qui vous apporte vraiment... Oui, enfin, il y a à peu près tous les avantages qu'on souhaitait ici, sans aucun inconvénient. Donc c'est bon. Mais c'est important de dire que parfois, c'est vrai que dans un couple, on va pas le vivre pareil, ce déménagement. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas évident de réussir à ce que les deux puissent au même rythme s'habituer à ce nouveau logement. Donc c'est important d'en parler aussi. C'est quelque chose qui est stressant quand même, un déménagement à tout âge, je pense. Mais surtout aux personnes comme nous qui avons quand même 75 ans et qui avons nos habitudes, qui n'avons plus 20 ans au point de vue physique, hein, même si on est encore très bien. Et c'est vrai qu'elle, elle a moins bien vécu la chose parce que, encore une fois, elle a pas pu une idée, comme on dit. Hein. Elle n'a pas pu faire son nid ici complètement. Alors ça viendra, je pense, mais on a parfait la salle de bain qui lui plaît pas du tout, on a parfait la cuisine qui lui plaît sans plus. Elle n'a pas pu mettre tous les tableaux parce qu'elle avait une collection de... On avait 50 tableaux accrochés au mur, là où nous étions. Donc, il y en a dont on s'est débarrassé. Donc, voilà. Donc, tout ça la stresse un peu, mais ça va venir. Vous avez prévu des aménagements pour la suite ? Est-ce que des travaux prévus ? A priori, non. Pas de travaux, je pense pas, parce que comme on avance en âge, hein, on ne sait pas combien de temps on va rester ici. Non, lessiver un peu les murs, des petites choses comme ça. Mais pas de gros travaux d'aménagement, non. D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez des conseils que vous pourriez donner aux personnes qui aujourd'hui hésitent à justement déménager, faire ce grand changement ? Alors, moi, le conseil que je peux leur donner, c'est de ne pas hésiter, justement. Parce que moi, j'ai eu un exemple déplorable dans ma famille, il y a plusieurs exemples même, notamment mes beaux-parents, qui sont restés jusqu'à 90 ans dans un deuxième étage sans ascenseur, et qui se sclérosaient complètement, quoi, qui n'étaient plus capables, il fallait que ce soit nous qui fassions leur course, ils ne sortaient plus, ils sont partis dans une maison de retraite, mais c'était trop tard, hein, ils ont fait ça trop tard. Donc le seul conseil que je peux donner, c'est de se dire, c'est pas la peine d'avoir des regrets, c'est pas la peine de faire comme si on avait encore 20 ans, on les a plus, c'est clair, hein, à 40 ans on les a déjà plus non plus, à 60 ans encore moins, à 75 ans encore moins. Donc il faut être raisonnable, et voir ça, comment dire, sous un œil rationnel, pas sous un œil affectif. Hein, faut essayer de ne pas mettre trop d'affectif dans ce genre de choses. Il faut raisonner. Il faut raisonner et se dire, je ne veux pas embêter les enfants quand je serai vieux. Hein. Je veux moi-même pouvoir continuer à me déplacer et pour ça, il faut que je sois dans un endroit qui me convient à mon âge. Donc, il ne faut pas attendre. Hein. Il faut le faire encore assez jeune. C'est vraiment le conseil que je donnerais. J'enfonce une porte ouverte, hein, mais
J'ai eu un autre exemple dans ma famille aussi, une dame alors qui était malade, qui n'est jamais sortie de chez elle. C'était épouvantable, quoi. Ses enfants étaient appelés à 2h du matin quand elle n'allait pas bien. Bon, elle n'a jamais voulu, elle est morte chez elle d'ailleurs, elle n'a jamais voulu s'en aller. Et c'est quelque chose de... Il y a un côté égoïste, hein, vouloir rester où on est, en se disant après moi le déluge, bah non, non, après moi il y a les enfants. Et les petits-enfants même. Hein. Donc voilà, le conseil, faites-le quand vous êtes encore jeune, quand vous avez encore tout votre intellect, votre force physique encore très bien, faites-le à ce moment-là. Après, c'est trop tard. Un grand merci à Pierre pour son témoignage. Et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Essonne, de Paris et du Val-d'Oise pour leur soutien. À bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast « Ça déménage ».